conditions sont très difficiles, mais on arrive à tenir la piste, avec tous les bénévoles qui aident pour remettre les banderoles, les piquets. C'est glissant, c'est particulier, mais bon, c'est parti de l'enduro, et bon, c'est quand même particulier, et c'est dur, ça va être dur. Très épuisant. C'est une épreuve, je suis pas bien placé, mais je suis quand même content de moi. J'attendais d'avoir une meilleure place, mais je suis quand même content de moi. Ouais, c'est important qu'il y ait la famille et tout ça. C'est super important. Champion de France des moins de 13. Sur les terrains où je m'entraîne, j'ai pas l'habitude de rouler sur tout ce qui est glissant et ça, et là ça m'a fait drôle, je savais plus où j'étais. C'était vraiment très très chaud parce que ça s'est joué à la dernière minute à un point d'écart. Après c'était cool. J'avais du doute parce que j'ai fait à la deuxième manche, vu que ça glissait, j'ai fait deux petites chutes, mais j'ai perdu beaucoup de temps donc je savais pas niveau mes points et ça. Et vous n'auriez pas pu vous faire plaisir et vous tirer l'amour aujourd'hui à Sainte-Pierre-la-Feuille. Bravo à toute l'équipe de Gilles et tous les bénévoles.